Hello guys, welcome to Smart Intellectual Knowledge About African. I'm Philippe Nika. This episode is in French with subtitles available in English. Bienvenue à ce deuxième épisode qui est la suite de cette série d'épisodes consacrés au Gabon, plus particulièrement à l'analyse critique du coup d'État qui a eu lieu au Gabon le 30 août 2023. Dans le premier épisode de cette série, j'ai présenté de façon brève l'historique du pays au niveau des chefs d'État qui ont eu à se succéder, afin de nous permettre de comprendre un peu les sources de cette situation d'hégémonie politique qui a pris place au Gabon. Alors, il faut comprendre un autre élément, c'est le paysage politique au Gabon. Alors, en plus n'avoir eu que deux chefs d'État depuis les indépendances jusqu'à 2009, le Gabon, comme la plupart des pays africains, s'est retrouvé dans un contexte d'unipartisme. Alors, qu'est-ce que l'unipartisme? Tout simplement, c'est l'existence d'un parti unique qui est à la fois le parti au pouvoir et qui est à la fois le parti d'opposition. Donc, vous conviendrez avec moi que c'est vraiment une situation où on est à la fois juge et avocat en même temps. Et cette situation-là a prévalu au Gabon depuis la période post-indépendance, okay, jusque dans les années 90. Encore une fois, il est très important de comprendre que le contexte gabonais est certes particulier, mais pas original. Pourquoi? Parce que cette même analyse est à peu près la même dans les autres pays d'Afrique. Okay. De 60 à 90, de nombreux pays, notamment des pays d'Afrique francophone, se sont retrouvés dans un système d'unipartisme avec à la tête de l'État une très faible variance du pouvoir. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment des individus qui ont eu des mandats qui se sont étalés sur plusieurs décennies, tout en étant à la tête de partis politiques qui, en face d'eux, n'avaient clairement pas d'opposition. Donc, c'est ce qui s'est passé au Gabon. Jusque dans les années 90, où, avec la pression des mouvements sociaux, des castes, des petites castes politiques qui se sont créées au Gabon, avec également la pression de la communauté internationale qui était emmenée ici par les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire essentiellement le FMI et la Banque mondiale, le président Omar Bongo a dû concéder le passage au multipartisme, mais toujours en s'assurant de conserver le pouvoir. Et ça, c'est un élément très important. J'ai utilisé ici le verbe « concéder ». Je n'ai pas dit que Omar Bongo a adhéré. Il a concédé. Et dans une analyse, c'est très important. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je vous dis aujourd'hui que vous concédez quelque chose, cela sous-entend que, dans le fond, dès le départ, vous n'adhérez pas à cet idéal. Vous n'adhérez pas à cette proposition. Vous n'adhérez pas à ce mécanisme, vous n'adhérez pas à cette mesure. Mais vous le faites par dépit, vous le faites par contrainte. Ce qui est différent lorsque je dis que vous avez adhéré à quelque chose. Si vous avez adhéré à quelque chose, cela pourrait tout simplement dire qu'au départ, vous étiez contre, mais avec un peu de recul, comme on le dit en Afrique, la nuit porte conseil, avec un peu d'analyse et tout ce que vous voulez, vous avez maintenant été capable de peser le pour et le contre et de choisir volontairement d'accepter ce que je vous propose ou ce que l'on vous propose. Alors, dans le cas ici du multipartisme au Gabon, c'est très important de comprendre comment est-ce que le multipartisme a été introduit. Si ce multipartisme est le résultat de quelque chose qui a été concédé et non d'un système auquel le pouvoir en place adhérait complètement,
Ça change complètement et entièrement la donne. Et vous allez comprendre cela au fur et à mesure que je vais développer en fait cette analyse. Donc, je reviens à ce que je disais. Dans les années 90, le pouvoir en place, donc emmené par Monsieur Omar Bongo, le défunt Omar Bongo, feu Omar Bongo, a concédé le passage au multipartisme, mais sans toutefois concéder le pouvoir. Son parti au pouvoir, qui s'appelle le Parti démocratique gabonais, donc en acronyme PDG, a conservé le pouvoir. Et donc, on est rentré dans un système de démocratie, et non, je dirais pas démocratie, je dirais plutôt de multipartisme de façade. C'est un multipartisme qui existe dans la forme. Vous avez plusieurs partis, et vous avez le parti au pouvoir. En face, vous avez une opposition qui est emmenée par plusieurs partis ou des coalitions de partis politiques, mais sans toutefois avoir un réel pouvoir, une réelle influence sur le changement des choses. Et on a pu le voir, vu que je vous ai dit que même de 90 à 2009, malgré l'introduction et l'avènement du multipartisme, M. Omar Bongo s'est maintenu au pouvoir. Il a remporté toutes les élections présidentielles et ces victoires ont toutes été contestées, contestées fortement par l'opposition, mais malheureusement sans jamais obtenir gain de cause. Alors, qu'est-ce qu'il faut également comprendre dans cette historique autour du paysage démocratique au Gabon? Alors, en 2009, après le décès du père Omar Bongo, le fils, qui avait déjà fait ses débuts en politique dans les années 90, est appelé à succéder à son père. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le PDG, comme dans toute démocratie, est censé identifier le candidat qui aura la lourde charge de les représenter lors des élections présidentielles. Et donc, disons, fort de la légitimité de son père, Ali Bongo était le candidat le mieux indiqué. Alors, c'est très important le choix des mots. J'ai dit le candidat le mieux indiqué, pas le meilleur candidat, pas non plus le mieux qualifié, mais le candidat le mieux indiqué politiquement pour conserver le politiquement correct et en hommage à Omar Bongo. Alors, Ali Bongo est ainsi désigné par le PDG. S'en suivent donc les élections de 2009 qui sont remportées par Ali Bongo. Là encore, des élections très controversées. En conclusion, pour cette petite analyse contextuelle, il faut retenir premièrement que l'introduction du multipartisme au Gabon a été une introduction de façade. Ce n'est pas un système qui a été complètement adhéré ou accepté par le pouvoir en place, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais. Deuxièmement, il faudrait comprendre également que après le décès d'Omar Bongo, donc le père, le choix d'Ali Bongo a été plus un choix du politiquement correct plutôt qu'un choix basé sur une analyse de compétences techniques. Ali Bongo n'étant pas le meilleur technocrate au sein du parti politique du PDG, mais fort de la légitimité publique de son père, fort du nom qu'il porte, fort également de la légitimité politique de son père, il était le candidat le mieux indiqué. Troisième élément, c'est que même en 2009, après le décès de Omar Bongo, la victoire d'Ali Bongo ne se fait pas sans controverse. Donc, on est encore dans un scénario où, malgré l'élection du président de la République, il y a toujours une opposition qui conteste de façon virulente la prise de pouvoir par un énième Bongo. Alors, j'espère que cette suite d'analyses contextuelles vous a plu. Merci d'avoir écouté Smart Intellectual Knowledgeable African.
le podcast où les idées préconçues rencontrent des perspectives puissantes. Merci et à bientôt.